Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 19e épisode sur Dex. Nous continuons notre aventure et je vais aller rendre la quête de... J'ai implanté un virus dans toutes les machines et normalement on devrait se faire du fric. Good to see you, lady. Been monitoring your progress with the vending machines. Every single one is running. We have them, girl. We are undetected. Every transaction is dripping a share into my account. It's working. Ok, super, super. Prochaine étape, le monde, c'est ça? Yeah, you guessed it. Now is the reward I promised. Some old memory chips, how about that? Bet you're glad you caught onto my coattails, huh? Ok. Oh, thank you, girl. Now, I just need time to analyze all the incoming data. Then I can progress with my research. I have your network signature. I will contact you. Myself. Goodbye for now. Qui aurait cru ça, hein? En tout cas, c'est intéressant. Il reste quelque chose à faire dans cette ruelle ou pas? Ah, j'aurais pu en implanter là aussi. Oh, je suis trop bête. Il y avait juste là. Il y avait ce qu'il faut juste là. Bon, je pense que c'est pas si grave. Bon, je ne sais plus ce qu'on doit faire à l'heure actuelle. Donc je vais consulter mon PDA, voilà. Ah oui, c'est vrai que je dois faire ça aussi. Cabrac, ouais. Ok. Ah, d'accord. Hey, j'ai fait pas mal de choses hein, jusqu'à présent. Je vais aller me faire soigner. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Parce que bah, je risque fortement de tomber sur des trucs qui me veulent du mal. Forcément. Dex. What can I do? Oh, so I saw, okay. There. Voilà, ça marche. Hello again. Limite atteinte. Est-ce que je peux le désactiver et... Ah non, il faut que... Oh, d'accord. Ah oui. Additionnel. Ah ouais, non, mais ça va me coûter ultra cher, en fait. Bon, bah, tant pis. Putain, j'ai pas mal de trucs pour... faire des implants et tout. J'ai 4 points. Ah! Ça veut dire que je peux faire ça maintenant. Ok, ça marche. Bon. Ça veut dire que je peux équiper ça. Nickel, moi ça me va. Hein. On va aller tester ça. Si vous vous souvenez, hein, il y a des méchants vilains par là. On n'a toujours pas pu leur mettre leur dérouillé. On va aller faire ça. Je pense que ça va leur faire... de sentir une présence humaine dans les environs.
veux pas te mettre dans le coin là? Que je te cale une bastos. Allez, viens. Sois pas timide. Ouh. Oh. Ah oui. Ah, ça fait effectivement mal. Rien pour me soigner, évidemment. Bon, mais il y en a un de moins déjà. Ça devrait aider, non? Putain, mais ils sont ultra forts, eux. Ils sont tellement imprenables. Doc, j'ai encore besoin de soins. Mais je t'ai vu il n'y a pas 5 minutes et t'étais en pleine forme. Oui, et ben, il s'est passé des choses entre deux. À vrai dire, je me suis un tout petit peu battu. Je voulais tester 2-3 trucs. Et t'as bien testé? Ah bah oui, là j'ai testé là. Ça s'est passé comme tu voulais? Bah pas tellement. En fait, c'est pour ça que je viens vous voir. Mais le fusil à pompe, hein, ça marche bien. Content de ma transaction là. Bon, on y retourne. On leur casse la gueule. On leur pète les dents là. Je pense que ça peut se faire ça. Pourquoi je peux pas tirer à l'aide, quoi? Pourquoi je peux pas tirer? Mais fuck you! Bordel de merde, casse-toi, toi! Casse-toi! Putain, quoi! Enculé de merde! Tu fais chier de putain de... Péter la gueule! Putain, donnez-moi des grenades, quoi! Des vraies grenades! Des grenades grappes avec 10 kg de TNT et 17 tonnes de C4, je vais tout faire sauter. Ces petits cons là. Là, déjà, un de moins, et toi, en enfer. Dégage. Bon, pas me faire chier non plus. Ah, puis en plus, c'est pour revenir là. Attendez une seconde. Est-ce que par hasard... Maintenant que je suis un peu équipé, je peux peut-être leur faire leur fête. Parce que là, j'y pense comme ça, mais... On peut sans doute s'arranger. Mais non, je voulais lui parler. You again? I know, gotta be careful. Je peux peut-être leur faire leur fête maintenant, aux autres là-bas, et ouvrir cette fichue porte que j'essaye d'ouvrir depuis le début. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était dans les tout premiers épisodes.
Ok. Il faut tout de suite hacker ce machin. Sinon ça va pas être cool. Ça a l'air de bien fonctionner. Et voilà. Dégage. Bon, il faut que je hack ce truc là. Ça, c'était le truc le plus dangereux. Voilà, je prends les crédits, les machins. Là, du coup, je peux passer. Ouais. C'est le bordel. Ah, je peux y retourner. Voilà qui est fait. Je te tiens. Voilà, tu ne m'emmerdes plus. Terminé. T'es revenu là, toi? Te revoilà? Je sauvegarde. Someone be taking a real wrong turn. Showing up down here again? That's some brain drain there, guy. What? Thought you done me dead? You be seriously underestimating your shit. Amen to that. This is Terminal One. Please have your kick ass ready. Attends, attends. Viens donc par ici. Je vais te présenter à des copains à moi. Ah, mais merde! Ça suffit! Oh, c'est pas vrai, quoi. Putain de merde. Oui, je veux bien recharger cette merde. Viens par ici pour voir. Voilà.
Moi, pendant ce temps-là, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Dans ta face. Oh, il y avait des sous là. Ok, je prends. Non mais, pas me faire chier non plus. Neurostimulant, substance étrange, je sais pas ce que c'est. Clé de la base des Cedar et... Ah, hacker le PC de Lorraine, ça marche. On va lui coller ce qu'il faut. Voilà, ta tourelle, tu peux te la carrer. Il y a une autre tourelle. Oh bordel de chiasse, putain de merde, mais c'est pas vrai. Cochonnerie de truc qui voyage à la vitesse de la lumière. Voilà, je me mets dans un angle où il peut pas m'atteindre. Bon, je me délogue. Que j'ai trop peu de concentration. Hop, je reprends un petit coup de ça. Hop, voilà. Là, j'ai suffisamment de concentration. D'avoir un petit peu. Moi, je vais te faire voir un petit peu comment ça se passe. Mais ça suffit. Arrêtez de m'attaquer hors écran, bordel. Quand la prochaine livraison, j'ai presque plus que tu m'as filé. Faut pas se relâcher. Je peux pas aller plus vite que les livraisons de BioFarm Tech. Parce que toi et tes bouffons distribuer des vivres. Ok, l'épicier. Quel bouffon, sans moi il y aurait rien. Dis-moi juste que c'est prêt. J'en aurais même. Ok. Il s'engueule. Un de moins. Bordel de chiasse, vous êtes chiant. Mais on va y arriver. C'est quoi ça? J'ai reçu la visite de l'un de vos employés. Finish quelque chose, apparemment. Il était pas au courant. Commence à poser des questions sur vos livraisons. En bref, une heure. Je savais pas quoi faire. J'ai été vraiment pas raisonnable. Vous voyez, alors. Pensez vous faire une faveur, vous couvrirez, j'ai demandé à un de mes gars de, comment dire, le faire taire, vous pourriez faire en sorte que ce genre de problème se reproduise plus. Alors ouais, j'aurais préféré que vous informiez la présence de Monsieur Finch à Arbor Hall avant d'entendre une action si drastique. Je réfléchis à une autre solution, néanmoins, nous apprécions votre sens de l'initiative, mais nous ferons en sorte qu'un incident de ce genre ne puisse pas se reproduire. Si tu veux, je m'en tamponne. Pas des choses qui m'intéressent vraiment. Putain de... Saloperie de... C'est dingue ça, hein. On peut pas faire 2 mètres. Allez, ça continue. Perception d'un... Ok. C'est le dernier.
voir. Ton bureau, je te rappelle que c'est mon gang et tu bosses pour moi. Ok. Ok. Bon bah tant pis, au moins j'ai sa clé quoi. Enfin après je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai sa clé, ça c'est sûr. Et c'est tout. Ah ouais, c'est... Moi qui me disais, ça va être génial, on va récupérer des trucs qu'on n'avait pas vu au début et tout, ça va être super cool. Eh ben c'était de la merde. Surtout qu'ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose non plus. Et si je monte, c'est toujours aussi vide. Effectivement, il n'y a rien. Il y a du rien. Bah merde, bon, bah moi qui pensais qu'on pourrait faire quelque chose de sympa, au final, ça s'est avéré être un peu inutile. Désolé. En tout cas, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain épisode très bientôt. Ne vous en faites pas. Je vous fais des poutous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, de l'amitié, éventuellement mettre un petit commentaire si ça vous chante, hein, si vous avez des choses à raconter, hein, ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. Et me retrouver également sur Twitch, parce qu'on y fait des lives hein, de temps en temps, régulièrement même. Et également sur Twitter, voilà, je raconte un peu ma vie, je donne des infos sur les prochains lives, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Donc, voilà, je vais vous laisser, je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour le 20e épisode déjà, hein, ça commence à aller un peu plus loin, au final, c'est pas mal, c'est très bien, moi j'aime bien. Plein de gros poutous, à la prochaine, et surtout hashtag amour viril, hell yeah!